so small. Watch the clock ticking off the wall. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la suite de mon vlog sur le camp de NaNoWriMo. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets dans le petit i juste là. J'ai filmé mes deux premières semaines de camp de NaNoWriMo. Donc aujourd'hui on est le jour 15, je n'ai pas encore écrit, je vais faire ma séance d'écriture, il est à peu près 20h11 et je dois écrire aujourd'hui. Pour le moment je suis à 28 000 mots d'écrit en tout sur mon roman, donc j'ai écrit à peu près 22 000 mots depuis le début du camp de NaNoWriMo et j'ai le chapitre 23 que j'ai commencé hier, donc je crois que j'ai écrit 1900 mots, quelque chose comme ça. Donc il est bientôt fini ce chapitre là, il me reste juste quelques mots à finir. Donc ça fera un chapitre de plus de fini, ce qui fera je crois 11 chapitres finis. Donc mon objectif pour cette fin de mois, ça va être de compléter tous les chapitres comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais également d'essayer de finir le roman puisque je suis à 28 308 mots et mon but c'est 54 000, donc là j'ai dépassé à peu près la moitié. Mais pour l'instant j'ai totalement terminé que 11 chapitres sur les 27 qui sont prévus. Ce qui m'énerve un peu à vrai dire parce que bah je sais que je pourrais faire plus. Mais là j'avais pas trop d'inspiration. Après je reste une semaine toute seule la semaine prochaine, donc du 20 au 27. Donc je vais peut-être plus écrire, je sais pas encore. Mais on verra bien. J'ai actuellement écrit 22 050 mots pour ce mois-ci. Je vais essayer d'écrire à peu près 1000 mots aujourd'hui. Je sais pas si ça va être possible ou pas. Je vais essayer de vous filmer plus de jours puisque dans la vidéo dernière, j'ai dû filmer le jour 1, 3 et après j'ai abandonné la caméra. Donc je vais essayer de vous filmer plus de trucs. Par contre, je ferai peut-être des points que tous les 2-3 jours parce que ce sera plus simple. Du coup, je vous laisse avec le petit montage et on verra quand je reprendrai. Quand je vous reprendrai, oh là là, je ne sais plus parler français, pardon. Salut tout le monde, on est donc le 17 et à mon avis aujourd'hui je vais atteindre les 25 000 mots puisque je suis à 24 190 mots et je pense que je vais écrire à peu près 1000 mots, donc on verra bien. Hier j'ai écrit à peu près 1000 mots, là vous avez vu un timelapse de avant-hier et hier. Je sais pas si je vais filmer, je pense pas que je vais filmer ce soir, donc je vous ferai un point demain. Sachant que j'ai une réunion demain, donc j'écrirai peut-être demain, je ne sais pas encore. En tout cas, je pense que je vais atteindre les 25 000 mots aujourd'hui. Je suis à 30 448 mots sur tout le roman en entier.
Salut, alors désolée de vous avoir abandonné, je vous retrouve, on est le 13 août et j'étais censée poster cette vidéo la semaine dernière, mais j'ai pris une pause pour mon anniversaire qui était le 7 août. Comment dire, j'avais fini mon roman d'écrire du coup mon goal du Camp NaNoWriMo, donc les 25 000 mots je les ai atteints le 17 juillet et après j'ai totalement arrêté d'écrire, je crois que j'ai dû écrire un jour de plus. Et après j'ai arrêté parce que en vrai, j'en ai eu marre. Du coup, je vais faire le bilan avec vous de NaNoWriMo. Donc comme vous avez pu le voir dans les clips qui précédaient, j'ai quand même pas mal écrit. Donc de ce que j'ai pu faire, j'ai donc écrit 25 000... Attendez, je vais voir. J'ai donc écrit 26 613 mots en juillet 2020. Donc j'ai atteint mon Golden Rainbow. J'ai fini 13 chapitres et j'en avais commencé 5. Donc là j'en ai commencé 1 hier. Donc ça me fait 6 de commencer. Pour le roman, j'ai atteint les 32 000 mots en finissant le NaNoWriMo. Et là j'en suis à 34 000. Ce qui fait que en ayant commencé j'étais à 6000 mots quelque chose comme ça et là j'en suis à 34 000, ce qui est plutôt pas mal parce que ça me fait beaucoup avancer. Au niveau des statistiques, je suis à 60% de l'écriture, donc en comptant les chapitres qui sont à moitié finis. Donc là j'ai le chapitre 10, 14, 18, 20, 26 et 25 qui sont commencés. Et on va dire que le chapitre 18 et le chapitre 25 sont pratiquement finis puisque je suis à 1396 mots et 1723. Donc je considère qu'ils sont bientôt finis. Je suis assez contente de moi franchement parce que je pensais pas réussir à finir autant de chapitres en si peu de temps. Donc pour moi ce qui a été le plus compliqué c'est de me tenir à finir les chapitres. Puisque en gros j'arrivais à le commencer, tout se passait bien jusqu'au moment où je n'avais plus d'inspi pour l'écrire. Et du coup je bloquais et je passais à autre chose. Donc par exemple c'est ce qui s'est passé pour le chapitre 10. Donc le chapitre 10, pourtant j'ai écrit du chapitre 1 à 9. Et le chapitre 10, j'ai eu du mal à l'écrire. Et d'ailleurs je l'ai toujours pas fini, il faudrait vraiment que je le finisse. Ce camp NaNoWriMo m'a permis de me rendre compte que j'ai besoin de travailler sur approfondir les personnages et approfondir leurs sentiments. Puisque dans la deuxième partie de mon roman, c'est plus les sentiments des personnages et leurs réactions qui sont explorées. Et j'ai plus de mal sur ça. Donc il va falloir que je travaille sur ça. Mais vraiment je suis hyper contente de moi. J'espère que le retard de cette vidéo ne vous dérangera pas. Il y aura une autre vidéo qui sera postée jeudi sur mon bullet journal étudiant. Puisque du coup vu que j'ai pris une semaine de pause, je vais sortir une vidéo bonus sur mon bullet journal étudiant. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié de la sortie de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo du coup. Bye bye.